Bonsoir, donc moi ce soir, je suis Gabriel, je vais vous parler donc d'utilisation de KVM sans QEMU. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que KVM, qu'est-ce qu'on essaye de faire, vous présenter l'API de KVM en vitesse, comment démarrer une machine virtuelle justement directement en 32 bits, je vais vous parler en vitesse de device virtio, de comment est-ce qu'on pourrait avoir une approche pour définir la description d'une machine quels sont les moyens qu'on pourrait utiliser, et ensuite l'état du proof of concept sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc voilà, donc KVM, qu'est-ce que c'est? C'est le système de virtualisation de Linux. Il est découpé en fait en deux parties. On a une première partie qui est une partie en kernel, donc c'est un module qui s'occupe de la partie basse, donc vraiment toute la partie virtualisation en elle-même. Donc tout ce qui est les extensions de virtualisation que vous avez vues tout à l'heure, le switch, le scheduling entre différentes VM, etc. En userland, ce qu'on va avoir, c'est justement toute la partie qui va s'occuper du management de la VM. Donc la création, déjà, ensuite tout ce qui va être émulation de device. Donc vous doutez bien, une VM, vous avez vu les extensions qui étaient disponibles, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Au final, on n'a rien du tout. La seule chose qu'on a, c'est je peux faire tourner un processeur. Ok, très bien. Maintenant, il faut avoir du matériel pour avoir une machine. Donc il va falloir avoir un truc qui va nous permettre d'émuler tout ça. Et donc c'est ce qui est fait dans cette partie userland. La partie userland, la plupart du temps, enfin même tout le temps en fait, ou presque, c'est QEMU. C'est QEMU qui a été utilisé justement parce qu'il avait déjà à la base énormément d'émulation de device, donc autant réutiliser. Donc ils ont pris QEMU. Il y a un autre tool qui est en développement, qui commence à donner des résultats, qui est LKVM. LKVM, c'est un tool qui est fait juste pour lancer des Linux, qui est inclus dans le source tree, enfin, qui les développeurs aimeraient l'inclure dans le source tree de Linux parce qu'ils sont en fait très liés au code de Linux, et c'est à peu près tout en fait. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire? Le but du jeu ici, il est assez simple. Une machine, c'est un truc compliqué, c'est un truc qui a un bagage historique énorme. Vous avez vu ça là, pendant tout le début de la soirée, on a fait de la préhistoire entre le mode 16 bits, du V80-86, tout ce genre de choses. Là, le but du jeu, en fait, c'est jeter tout ça à la poubelle. On s'en fout. On a envie de faire une machine qui va être lancée directement dans un état qui est sane et utilisable pour faire des développements modernes. Voilà. Ensuite, donc déjà il y a ce premier point. L'autre, l'émulation de device, ça pue, c'est lent, c'est compliqué. Arriver sur lequel on peut faire ce qu'on veut et se retrouver encore à être obligé de se retrouver avec une émulation de carte réseau sur lequel il faut aller setter le bit là-bas pour pouvoir être sûr qu'elle affiche des paquets et que si on a oublié le bit aussi là-bas, les interruptions il n'y en a pas. C'est chiant, c'est juste chiant, donc on va essayer d'éviter tout ça. Donc le but du jeu, c'est vraiment faire ça, avoir un accès simple, avoir une machine qui est simpliste au possible, de manière à pouvoir faire du développement plus simplement, du développement de kernel plus simplement. À la limite, on peut s'en occuper, on peut s'en servir aussi On peut s'en servir pour développer tout ce qui va être ce qu'on va appeler SynVMs. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de choses comme Erlangen Xen, chez Haskell ils font ça aussi, il y a quoi d'autre, il y a Open Mirage en Camel, qui est l'idée d'avoir des VM qui vont lancer du code spécialisé. Dans l'idée, c'est plutôt que pour pouvoir scale facilement, en fait, on va lancer énormément de VM à la volée comme on veut. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un matériel qui est minimal, d'avoir un temps de démarrage qui est minimal, et on n'a pas envie de s'embêter avec des tas de codes. On n'a pas envie d'être obligé de claquer un Linux pour pouvoir lancer un serveur HTTP. 4 millions de lignes de code pour un serveur HTTP, c'est beaucoup trop. Voilà, c'est un peu ça. KVM, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un grand point. Moi, ça m'a étonné. Habituellement, quand on arrive et qu'on commence à regarder ce genre de choses, la documentation, on n'en a pas. Donc là, en fait, on en a. Donc on a la description de l'API qui est entièrement définie et presque entièrement définie. Ouais.
Voilà, ensuite on a plein d'autres on a plein d'autres documentations, donc dans le code de KVM, dans le code de QEMU, le code de LKVM, donc au format C, hein, comme vous en doutez. Voilà. Donc, comment ça se passe? L'API de KVM, elle est très simple. Comme toute API kernel qui va discuter avec du userland, on va se baser sur un char device et on va faire de l'IOCTL dessus. Donc, les IOCTL, on va avoir... IOCTL, simplement un mécanisme pour pouvoir s'abstraire de l'API normale des fichiers, à savoir read, write, close. On aimerait avoir autre chose, donc on a ce truc-là qui est IO control, donc c'est un espèce d'appel magique qui nous permet de faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Ici, on va avoir un système assez spécial. On va avoir en fait ce char device qui va nous permettre de créer des nouveaux file descriptors. Ça a l'air de pas avoir de sens à première vue, ça fait bizarre, mais c'est assez simple à manipuler au final. Donc on va avoir le premier qui va être donc directement en ouvrant DevKVM, qui va nous donner un file descriptor de contrôle qui va nous permettre de créer des VM et de récupérer globalement la configuration de la machine. Ensuite, on va avoir un file descriptor pour la VM qui va nous permettre de gérer création de CPU, création de mémoire, création donc configuration de tout ce qu'on pourrait avoir besoin. Donc principalement un IRQ chip. On va avoir après l'IRQ chip, on va avoir toute la configuration de ce chip, ce genre de choses. Et après, dernier type de file descriptor, on va avoir tous les file descriptors qui sont attachés au vCPU, donc vCPU, hein, c'est un CPU virtuel, hein, qui vont nous permettre, et donc dessus on va avoir à nouveau IOCTL qui vont nous donner des accès à l'état de CPU. Voilà. Donc ici, création d'une VM, on va créer une VM, donc pour créer une VM c'est simple, on ouvre notre truc, on ouvre notre premier truc, on a un premier FD. Ici, on peut appeler notre création de VM, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire... on n'a toujours pas créé une VM. Si, on a créé une VM. Hop. Ici, on va pouvoir créer notre IRQ chip. Donc un IRQ chip sur Intel, ça va donner un IO APIC et des LAPIC sur les CPU. Le code qu'il y a ici en plus, c'est une histoire louche sur Intel qui dit que ce serait bien en fait d'avoir une zone de mémoire. Ils appellent ça TSS. J'ai pas fouillé vraiment pourquoi. Donc on lui donne une zone de TSS. On est censé lui donner 3 pages dans l'address space de la VM de manière à ce qu'il puisse faire son truc. Donc moi je faisais des VM en 32 bits de tout pour l'instant. Donc là je l'ai mis. Sur les trois dernières pages de l'espace de l'address space 64 bits, donc je suis assez tranquille, ça va jamais m'embêter. Après ça, on va essayer d'ajouter de la mémoire. Donc pour ajouter de la mémoire, ici c'est très simple en fait. À partir du moment où on a une zone mappée, on peut l'utiliser comme étant de la mémoire pour notre VM. Donc c'est de la mémoire physique pour la VM. Donc ici, donc on mmap une zone, et ensuite on a donc une structure à nouveau. Un IOCTL, donc ici 7 memory region, et on va pouvoir lui donner notre zone. Donc les zones, elles sont découpées par slots, ils sont numérotés à chaque fois, c'est un peu chiant, on est obligé de faire gaffe, les traquer, etc. Mais d'un certain sens, de toute manière, on est obligé de le faire, donc c'est pas si grave. On va pouvoir préciser donc l'adresse physique, la taille à nouveau, et... le pointeur sur la zone mappée qu'on avait. À partir de ce moment-là, on va avoir notre mémoire qui va être justement disponible pour la VM, et on voit déjà cette zone, elle est toujours accessible pour nous, donc on va pouvoir avoir un accès à la mémoire de la VM sans aucun problème. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir charger du code, ça va être cool. Donc charger du code, je vous ai pas fait les slides de charger du code parce qu'on s'en fout, hein, on met du code dedans, c'est bon. On va rajouter, donc créer un CPU. Donc CPU, j'ai à nouveau un nouveau FD. Ce CPU, il est initialisé dans un état plus ou moins moisi, mais à peu près sane. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va pouvoir travailler dessus, lui faire des choses. Donc ici, un IOCTL à nouveau, getregs. Donc getregs, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher de l'état dans le VMCS que vous avez vu tout à l'heure, donc le state de la VM.
Il va nous renvoyer ça dans une magnifique structure avec plein de registres. Donc ici, c'est cool. Les registres, on n'est pas obligé de se taper comme d'habitude, compat, 16, 32, 64, etc. Là, tous les registres, ils sont 64 bits, c'est Noël. Donc, on va remplir nos airflag. Donc, nos airflag, c'est les iflag en 32. Je m'en souviens plus, là, comme ça. Si on n'a pas le choix pour lancer un CPU, on est obligé d'être au moins comme ça. On va mettre notre instruction pointer à une valeur à peu près sane. On va resetter tout ça. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à démarrer notre VM. On la démarre avec un IOSTL qui s'appelle KVM Run. KVM Run, en fait, il va se lancer et il va être bloquant tant qu'on n'a pas eu de VM exit. En fait, KVM Run, il n'a pas de paramètres, mais on aimerait bien lui en passer. Et on aimerait bien avoir des résultats justement quand on a un exit, on aimerait bien savoir pourquoi. Un entier, ça suffit clairement pas. Pour lui passer des paramètres, on va bien voir qu'un entier, ça lui suffit pas du tout non plus. Et en fait, le truc qui est utilisé ici, c'est qu'on va mapper. On va mapper le file descriptor du VCPU. On va le mmap. Et à cet endroit-là, justement, à l'offset 0 de ce truc-là, on va avoir toute une structure dont on a récupéré la taille avant. On va récupérer toute une structure qui va contenir en fait l'état de run de ce VCPU. Et à partir de cet état-là, on va pouvoir avoir toutes les informations qui nous intéressent. C'est fait comme ça de manière à éviter d'avoir un passage par argument. On aurait pu le faire avec un passage par l'IOCTL, mais si on a un passage d'argument, on va avoir une copie, etc. Et les copies, ça va pas vite. Et les VM, c'est bien quand ça va vite. Donc ici, on a ça. À partir de ce moment-là, donc on va return un moment et on va pouvoir récupérer justement les raisons de sortie, la raison de sortie, traiter la raison de sortie et continuer. Donc là maintenant je vais vous montrer comment on parlait d'IO, Corentin parlait d'IO tout à l'heure, donc là je vais vous montrer justement comment gérer les IO, donc que ce soit port IO ou même IO, comment gérer ces IO justement avec KVM. Donc on va bêtement lire l'état de cette structure. Dedans, on va avoir un champ qui va traîner, qui va être IO, qui va nous dire exactement le port qui a été utilisé, quelle est la direction, donc savoir si c'était un in ou un out. Il va nous donner l'offset dans la structure qui contient les data. Si c'était un in, un out, on va avoir les data. Et ensuite, la taille de ces data. Et donc là, en l'occurrence, on va écrire bêtement ce qui est écrit dessus. Donc là, on a une console qui a output. C'est cool. Pourquoi on a un offset, une taille, etc. C'est parce que c'est pour pouvoir gérer toutes les versions d'out et in d'un même coup, que ce soit out B, out W, out S ou tout ce genre de choses. Voilà, donc là maintenant, PIO. Donc PIO, je ne vous ai pas mis d'exemple de code, mais c'est globalement exactement le même principe. On a l'adresse physique de la VM qui a généré cette même IO, les data qui ont été mis. Donc ici, il n'y en a plus que 8 parce que de toute manière, on ne peut pas avoir d'IO tellement plus grosse. La longueur exacte et est-ce que c'est une écriture ou une lecture. Donc avec tout ça, en fait, on va pouvoir commencer à avoir des devices, à créer des devices à partir de ces trucs-là. Ça ne fait pas grand-chose, mais ça suffit presque. Donc maintenant, je vais vous reparler un peu plus en détail justement du threading model, enfin de comment s'exécute l'application en elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on a donc en dessous, on a un Linux, on a un process userland qui est donc l'équivalent de notre QEMU. Dedans, on a notre OS qu'on aimerait bien qu'il tourne. Et alors après, on va avoir en fait dans chacun des threads, on va être obligé de séparer en threads différents. C'est logique. Enfin, mon IOCTL il est bloquant, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que j'ai un thread à chaque fois pour chaque VCPU. Et on va avoir un dernier thread d'IO de manière à pouvoir gérer tout ce qui est IO asynchrone. Enfin, ça paraît à peu près intuitif. On n'a pas vraiment envie de faire les accès disques de manière synchrone, etc. On va tout délester sur un ou plusieurs threads d'IO. Ensuite, donc, maintenant qu'on a tout ça, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait jeter tout notre bagage historique.
Donc ici, là, on a un petit exemple de code qui nous montre en fait comment démarrer directement en 32 bits. Donc, a priori, vous le savez à peu près tous, démarrer en 32 bits, c'est avoir des segments de sélecteur qui pointent sur une entrée de GDT qui correspond à des zones 32. On se débarrasse complètement de la segmentation, donc on passe sur du flat avec toutes ces zones qui décrivent 0,4 gigs. Ensuite, on a laissé toutes nos segments de sélecteur toujours qui décrivent des zones, enfin qui pointent sur des entrées de la GDT, qui décrivent des zones de code 32, pile 32. On a notre CR0 qui a le premier bit qui est 7 à 1 et c'est tout. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait. Ici, le CS pour le code, les data et notre stack. Pareil, le code, la stack, on la passe en 32 bits. On passe le flag CR0, on met son premier bit à 1. Et voilà, le petit détail ici, c'est que là, on n'a pas touché à une GDT. Pourquoi on n'a pas touché à une GDT? Parce que si vous ouvrez un manuel Intel, vous allez voir qu'en fait, les registres SS, enfin les segments de selector, ils sont découpés en deux parties. On a une partie publique, qui est là, en fait, au moment où vous allez faire votre requête, c'est ce que vous allez mettre depuis l'assembleur, le segment de selector, enfin l'entrée de la GDT que vous aimeriez bien avoir. Et de l'autre côté, on a une partie privée qui va contenir un cache de la GDT, de l'entrée de GDT qui a été sélectionnée. Nous, on écrit directement dans ce cache parce que de toute manière, on s'en fout, on peut. Et on n'a pas besoin de stocker une GDT. Le code qui va être lancé après, s'il a envie d'en avoir une, il va le faire. Voilà. Donc ici, là, on voit qu'on peut passer direct en 32 bits. On a un début de device. Ça commence à ressembler à quelque chose. On est presque au moment où on pourrait avoir une machine. Là, il nous manque juste un truc, donc des devices. Et il nous manque surtout des interruptions. Donc, pour avoir des interruptions, alors il y a plein de mécanismes. Moi, j'en ai retenu un qui marchait à peu près correctement. Globalement, les autres mécanismes, c'est simple, c'est considérer qu'on va faire du synchrone. Donc, je vais avoir une même IO qui va arriver, qui va me dire « Hey, c'est bon, tu peux y aller, j'ai une requête. » On va retomber dans notre code à nous. Ici, on va traiter toute la requête et on va rendre la main en expliquant « C'est bon, tu es à peu près dans un état d'interruption, vas-y. » C'est marrant, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre pendant des heures que mon VMM ait fini de traiter son paquet réseau que je lui ai demandé d'envoyer pour pouvoir continuer de travailler? C'est pas génial. Donc on va essayer de faire ça en asynchrone. Pour ça, on a deux choses. On a besoin de deux mécanismes. On a besoin d'un premier mécanisme qui est réveiller un thread, donc le thread d'IO en l'occurrence, réveiller le thread d'IO pour lui dire « Hey, j'ai quelque chose à faire ». Et on a un deuxième mécanisme qui va être « Hey, j'ai besoin d'avoir une interruption en asynchrone aussi ». Donc pour ça, en fait, dans KVM, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réutilisé un mécanisme qui existait déjà dans Linux, qui est EventFD. EventFD, c'est une API assez simple, c'est un file descriptor un peu spécial, sur lequel quand on écrit quelque chose dedans, bah, ça marque quelque chose dedans, et quand on lit quelque chose dedans, ça lit la valeur qui a été marquée avant. Ça a pas l'air sexy comme ça, mais en fait au final ça suffit, c'est juste pour savoir s'il y a eu un événement sur tel file descriptor. Ça permet de faire du dialogue minimal entre processus. Et là, justement, c'est exactement ça qu'on va utiliser. Donc, on en a deux. Le premier, IO Event FD. Donc, on a un Event FD, on va avoir un IO CTL pour citer ce truc-là, qui va nous permettre, en fait, d'associer une même IO à un Event FD. Donc, après, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va avoir notre Event FD, on va faire du select dessus, du poll, du n'importe quoi. Et dès qu'on va avoir une écriture qui va être faite dedans, en fait, dès qu'on a une même IO qui va être envoyée, ça va rentrer une valeur dans l'event FD et nous on va pouvoir sortir notre select et traiter la demande. De la même manière, on a le truc dans l'autre sens, à savoir IRQFD. Donc ici, ça va marcher dans le sens inverse, c'est à dire qu'on va associer une interrupt line de nos chips d'interruption à un event FD. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est nous écrire dans notre event FD, et à ce moment là
KVM tout seul va aller réveiller la VM en lui disant réveiller l'IRQ-chip qui va lui réveiller la VM pour pouvoir retrouver notre pour pouvoir avoir notre interruption. Donc là c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut avoir des devices correctement. Maintenant, quel device on pourrait bien utiliser? On a envie de se débarrasser de bagages historiques. On n'a pas envie de se faire emmerder par faire 300 millions de drivers. Les drivers, c'est chiant à écrire. Donc, le but du jeu ici, ça va être d'utiliser Virtio. Pourquoi Virtio? Virtio, c'est parce que c'est simple. Ça, c'est une abstraction, en fait, de device. On a deux choses. On a notre espace de configuration, des queues. Les queues, on en fait ce qu'on veut après, et c'est cool. C'est bien à deux endroits, d'ailleurs. C'est bien et au niveau de la VM, qui va, elle, avoir pas grand chose à implémenter, et bien au niveau de l'hyperviseur, qui, lui, va avoir le code inverse, mais pas grand chose non plus à implémenter au final. En plus, ça existe à moitié déjà, donc c'est bien, on va pouvoir utiliser du code, ça va être cool. Donc ce truc-là, s'il y a une spec qui est disponible, elle est presque lisible, encore une fois. On a un début de standardisation qui est en train d'être commencé, donc ils ont prévu la réunion pour dans un an. Donc peut-être qu'un jour, on aura du Virtio à peu près standard, voilà. Elle est disponible, donc ça, on vous l'a déjà dit, elle est disponible en deux types de devices, donc PCI ou même I.O. PCI, encore une fois, hein, c'est vieux, ça pue, c'est moche, on jette. Même I.O., c'est bien, c'est simple, on arrive, on a un truc, on lit en mémoire, on écrit en mémoire, c'est cool, c'est facile. Même les engins, ils y arrivent, donc pourquoi pas faire ça comme ça? Donc, ouais, voilà. Donc ici, sur ce truc-là, c'est à peu près tout ce qu'on va avoir, justement. On va pouvoir implémenter tous nos devices facilement. La seule chose qu'on va avoir à faire, c'est avoir une base address, une interrupt line, et puis après, roule au niveau de la VM, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Des devices, on a tout ce qu'on veut, on peut en implémenter d'autres. Genre par exemple, au niveau du hot plug, etc. Là, par exemple, on pourrait essayer d'utiliser un device type Virtio qui va nous advertise justement le « Hey, ça y est, il y a à nouveau de la RAM ». Bon, ça, ce serait une réutilisation de ballooning, c'est un peu con, mais il y a un nouveau matériel réseau, il y a une nouvelle truc de ce genre-là, on pourrait avoir ce genre de choses. On est à peu près libre de faire ce qu'on veut, donc c'est cool, Virtio, c'est bon, voilà. Maintenant, autre problème qui reste. C'est bien, j'ai une VM, j'ai un proc, j'ai de la mémoire, j'ai du matériel, tout va bien, j'ai même peut-être avec un peu de chance du code dedans qui tourne. Le seul truc, c'est que le matériel, je sais pas où il est. Donc là, je sais pas où il est, je sais pas combien j'ai de CPU, je sais pas combien j'ai de RAM, je sais rien du tout. Il va falloir trouver donc à nouveau une méthode pour pouvoir avoir tout ça. Donc ces méthodes-là, en fait, il y en a plein qui existent. Hein, donc au niveau des devices en eux-mêmes, vous connaissez 12 millions de bus différents entre le bus PCI, le bus ISA, du PCI Express, que c'est la même chose que le PCI. On a plein de choses. Pareil, pour avoir des informations de mémoire, on va avoir des choses genre 820 dont on a parlé, qui vient du BIOS. On va avoir toutes ces histoires d'ACPI, on va avoir MPTables qui vont nous donner aussi des informations à propos de la configuration de nos chips, ce genre de choses. Tout ça, encore une fois. Hein. Moi je veux pas de PC, c'est pas drôle le PC, je veux juste une machine Intel. On jette, c'est moche, c'est long, c'est chiant à implémenter. Donc on va acheter tout ça, on n'utilise pas ça. On va utiliser une structure simple, bête, qui va nous permettre de faire ce qu'on veut. Donc là en l'occurrence j'ai réutilisé un truc qui ressemble à du multiboot, qui en tout cas marche de la même manière que le multiboot. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure, bêtement, qui nous est donnée chargement kernel. Je mets le pointeur sur la structure, dans un registre. Toi, tu vas lire, tu fais ce que tu veux avec, et puis après, on jette tout et on est content. Donc ici, c'est cette structure-là qu'on va avoir. Donc on va avoir l'adresse de notre IO API, parce qu'il va bien falloir l'avoir quelque part. Un tableau avec notre mémoire. Un tableau avec nos devices. Notre mémoire, on va avoir son adresse, sa taille. Des flags pour savoir si elle est read-only ou pas. Ici, un type, si elle est déjà utilisée, comment est-ce qu'elle est utilisée actuellement.
Et puis c'est à peu près tout. Pareil pour les devices, on a juste les informations dont on a besoin, et là c'est bon, c'est cool, ça roule. Donc ici il n'y a pas la définition des CPU parce que j'y suis pas encore arrivé. Et voilà, donc l'idée c'est d'avoir un truc vraiment simple, de manière à pouvoir développer sans être gêné en fait. Donc, proof of concept, actuellement, qu'est-ce qu'on a ? Démarré en protected mode, donc 32 bits, on charge un binaire ELF, on a cette structure qui est passée, on a le début de device virtio, et donc là actuellement c'est vachement génial, on a un device virtio qui nous permet de générer du random, on a une console aussi qui traîne, et j'ai quasiment fini d'utiliser, donc là justement, plus du virtio pur, mais du virtio avec un type de device, toujours virtio, mais une implémentation de device qui s'appelle VHost, qui est une implémentation rapide dans le kernel, que c'est bien, ça va vite, pour avoir des cartes réseau. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on a. Qu'est-ce qui manque ? Il manque plein de choses. Il manque plusieurs CPU. Il manque, ce serait bien d'avoir un driver disque un jour. Il manque un kernel pour le tester aussi. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et bizarrement, là, vu qu'on a jeté tout le bagage historique, on ne peut pas réutiliser. Et c'est à peu près tout. Voilà. Et ce serait bien si un jour de passer en 64 bits. Voilà, donc là, je vous ai remis les quelques liens de base pour trouver les points d'entrée vers les trucs. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Tu dis que pour l'instant, tu ne fais pas tourner le kernel, mais tu as essayé de faire tourner des trucs un peu sympas dessus ou pas vraiment ? Là, globalement, j'ai un kernel qui est actuellement sans pagination, sans rien du tout, qui envoie des paquets dans le vide, des paquets avec des valeurs random récupérées dans le truc et affiche bits. Voilà, c'est à peu près tout. C'est vachement cool, mais ça fait pas tourner grand chose. Non, non, c'est juste du test. Je me concentre surtout sur la VM en elle-même. Je suis encore en train de chercher un peu ce qui manque, pas mal de choses en fait dans le. Genre par exemple VHost, j'aimerais bien réutiliser et avoir que des devices VHost, mais des devices VHost, il y en a un. Donc on n'a pas tout, il manque des choses. Les specs sont globalement illisibles, hein, elles sont en format C, quoi, donc c'est pas toujours pratique.